Every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Hey, coucou les amis, c'est Mademoiselle Petit Ange. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et oui, enfin, au bout de je ne sais pas combien de semaines, je vous donne des nouvelles. Alors, je vais commencer par la première chose, c'est tout simplement, je vais vous parler du bordel qu'il y a derrière moi. Et oui, vous le voyez derrière moi, c'est le gros bordel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Snow Baby, donc ma femme, a décidé au départ, on s'est décidé ensemble en fait, de changer de place son plan de travail, en fait, son bureau. Parce qu'en fait, quand on enregistrait des vidéos comme là, je suis en train de faire en fait, hein, bah c'était le bordel. Parce qu'on s'entendait, fallait attendre chacun notre tour, enfin c'était compliqué. Donc du coup, ce qu'on a fait, bah, elle est partie dans une autre pièce et comme ça, c'était réglé. Sauf que pour l'instant, elle ne fait plus de vidéos sur sa chaîne YouTube, donc ça se trouve, elle en refera jamais, je ne sais pas exactement. Donc du coup, on est en plein déménagement encore une fois, puisqu'elle revient vers moi, donc juste là, hein, ici, là, là, voilà, hein, vous voyez là. Elle va revenir ici, donc on va pouvoir enfin refaire, enfin je vais pouvoir enfin refaire une vidéo. Cette fois pour la seconde partie du bureau. Vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que la partie 2 allait arriver. Donc ça va arriver d'ici quelques jours peut-être ou quelques mois. Donc c'est sûr, elle arrivera puisque du coup elle revient ici. Donc du coup on va remettre le bureau en place et forcément il y aura des aménagements de fait. Donc d'où le bordel qu'il y a à droite et à gauche en fait, tout simplement. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous parler. La seconde chose, je vais vous dire pourquoi j'ai été absente pendant environ un mois et demi, on va dire. En fait, c'est tout simplement, je suis rentré en formation, donc avec Pôle emploi, hein, forcément, et c'est pour mon avenir professionnel, hein, donc ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Donc je suis parti en formation et je n'ai pas alimenté énormément ma chaîne, puisque en gros, je n'avais pas le temps. Et pas l'envie. Pourquoi? En fait, quand vous partez, pour ma part, c'est mon ressenti, quand vous partez à 8h30 le matin et que vous rentrez le soir à 17h, vous en avez plein la tête, vous n'avez qu'une envie, c'est vous poser et rester tranquille. Enfin, moi, c'est mon ressenti que j'avais. J'avais pas forcément l'envie de faire des vidéos, donc je me suis dit, je vais pas me forcer pour faire du contenu de merde pour alimenter la chaîne. Alors oui, je vous ai mis, je crois, deux ou trois vidéos maxi, hein, mais maxi, pendant ces 5 semaines. Alors ça a été beaucoup des tests et non pas des gameplays. Ça a été des tests de produits comme par exemple il y a eu la montre. Il y a eu... Si je crois que je vous ai mis un gameplay d'Evering mais je ne suis pas sûr. Enfin bref, je vous ai mis des vidéos. Mais voilà, c'était des vidéos en général tests. Alors, je suis devenu testeuse Amazon grâce à une personne. C'est tout simplement grâce à E-Tech Store. Donc oui, en fait, il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube qui permettait de devenir testeur, testeuse des produits Amazon par rapport à Facebook. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai réussi à avoir pas mal de produits. Pas forcément des produits high-tech, mais toutes sortes de produits en fait. Donc il y a plusieurs produits que j'ai fait en vidéo que je vous montre parce que je pense que ça valait le coup. Et il y a des produits... voilà, je vais pas faire de vidéo dessus parce que pour ma part, ils sont bien, mais c'est pas des produits voilà, que je peux mettre sur ma chaîne. Ou alors, il faudrait que je fasse une chaîne secondaire, pardon. Mais bon, c'est pas dans, on va dire, pas dans mon avenir pour l'instant. Donc en fait, maintenant, je vais vous parler tout simplement de ce qui va se passer sur la chaîne. Donc, ce qui va venir. Alors, il y aura pas mal de tests de produits, comme je vous le dis. Donc, par exemple, il y aura des bandeaux de LED que je recommande. Il y aura des écouteurs qui peuvent remplacer des écouteurs d'un iPhone ou même d'un Samsung, pas l'iPhone 7, pas le Galaxy S8, mais par exemple des écouteurs. Il y a carrément un fil pour ceux qui possèdent des iPhones comme moi qui permet de transmettre en fait votre écran en iPhone sur votre télévision, votre écran de PC en HDMI, donc c'est intéressant. Il y aura d'autres bandeaux de LED qui sont pas trop mal non plus, enfin. Il y aura des choses comme ça, donc il y aura beaucoup de vidéos de test. Il y aura également la fameuse vidéo que je vous disais quand je vais refaire, enfin je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle exactement. Je vais refaire mon PC, donc quand je dis refaire,
Je vais personnaliser mon PC, donc il y aura forcément une vidéo sur la personnalisation de mon PC. Il y aura la suite du bureau. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé la suite, donc l'installation du bureau, etc. Donc je vous ferai ça. Je n'ai pas de date en tête, donc je ne peux pas vous dire quand je vais le faire, quand j'aurai le temps, enfin, etc. En fait, c'est selon voilà, mon temps, surtout mon emploi du temps. Donc voilà. La chaîne sera toujours ouverte, hein, il n'y a pas de problème. Dans les jours à venir, il y aura des tests, il y aura quelques gameplays, il y aura la sortie Destiny 2 en bêta, donc forcément, il y aura du gameplay, parce que ça, je ne peux pas passer à côté. Comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis le début, j'ai déjà fait la bêta, l'alpha, etc. de Destiny 1, donc forcément, je ferai le 2. Donc voilà, la chaîne sera toujours alimentée, il y aura toujours... Mais voilà, je serai disponible juillet-août, donc forcément... Il y aura un max de vidéos pendant là, enfin, pendant ce temps-là, pardon. Bon, par contre, ça va se gâter en septembre, hein, je vous le cache pas. En septembre, je vais, si tout se passe bien, rentrer dans une formation, cette fois-ci très longue, une année scolaire, pour vous dire, hein. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps, l'envie, de vous faire des vidéos. Donc, je vais essayer d'en faire, d'en préparer un max pendant cet été-là. Et bien sûr, de vous les poster toutes les semaines, ou enfin voilà, d'alimenter quand même la chaîne. Je ne fermerai pas la chaîne, ça c'est sûr. Ma chaîne, je la garde, même si ça fait pas plaisir à certains, je m'en fous, je vous le dis complètement. Donc voilà, ce qui va arriver dans les mois à venir, dans les jours à venir, on va dire ça comme ça. Après, je vais vous faire partager quand même ce qui se passe un peu autre que dans. On va dire dans les jeux vidéo. Donc là, je vous ai préparé une vidéo. Bon, c'était la fête de la moto, donc vers chez moi. Ça, c'est une autre passion. Donc forcément, bah, je me suis dit, je vais vous la faire partager. Après, si vous aimez pas, bah voilà, j'aurais essayé. Donc c'était il y a déjà un petit moment, mais j'avais pas le temps. Et comme je vous l'ai dit, j'avais pas l'envie. Donc forcément, je ne... Voilà, je ne voulais pas sortir avant, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, je vous répondrai avec plaisir, à part si le commentaire est inutile, je vous le dis cash. Donc voilà, hein, c'est tout, ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous propose de me laisser... Un commentaire, un like, ça me ferait énormément plaisir. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao bye bye les amis.